Bonjour à tous et à toutes, je vous propose la correction des trois exercices de probabilité que nous avons traités vendredi dernier, qui vont vous aider à préparer votre évaluation de ce vendredi. Donc on commence par l'exercice 1, on avait un jeu de cartes pour enfants qui contenait 15 cartes, informations importantes, où on avait donc des pays, leur continent et le nombre d'habitants en millions. On tirait au hasard une carte du jeu, on désignait par A l'événement, le pays est asiatique, donc on va identifier ici les pays asiatiques, je vais les identifier ici en rouge, alors c'est totalement arbitraire. Voilà, donc les pays asiatiques, donc je vais mettre une légende, pays asiatiques, et les pays asiatiques, ben on va avoir donc la Chine ici, le Vietnam et la Malaisie. Alors il va de soi qu'il y a plus que 3 pays asiatiques, mais il y en a 3 dans cette liste ici de choisis. On va passer à l'événement B, le pays est africain, donc là on va mettre en bleu par exemple. Donc pays africain, on va mettre en bleu. Et donc ici, vous allez avoir l'Afrique du Sud. Ensuite, on va avoir la Tunisie et on va avoir le Niger dans cette liste. On va terminer avec l'événement C. Le nombre d'habitants dépasse 50 millions. On va changer de couleur, on va se mettre en vert. Et donc, on va avoir la Chine, le Vietnam, l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis et la Colombie dans cette liste. Voilà pour l'interprétation de l'énoncé. On va pouvoir passer aux questions. Et on commence tout de suite par des questions basiques, P2A, P2B, P2C. Alors, inutile de vous dire qu'il vaut mieux que vous traitiez ce genre de questions, parce que sinon, ça va très mal se passer à votre évaluation. Alors, P2A, probabilité que le pays soit asiatique. On compte combien il y a de pays asiatiques, il y en a 3, ceux qui sont en rouge. Et on fait donc 3 divisé par 15, ce qui fait 0,2. P2B, probabilité que le pays soit africain, donc là c'est les pays en bleu, il y en a 3 à nouveau sur 15, donc 3 divisé par 15, ce qui fait 0,2. P2C, probabilité que le pays ait un nombre d'habitants qui dépasse 50 millions, sont ceux qui sont en vert. Alors j'ai oublié la légende. Voilà, maintenant j'ai mis la légende. Donc les pays qui sont en vert, donc les pays dont le nombre d'habitants dépasse 50 millions, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 divisé par 15, ce qui fait 0,4. Voilà pour ces probabilités. On va passer à la question 2. Question 2, probabilité de probabilité de A inter C et de A union B. Donc ici, ce signe désigne bien inter. Inter, c'est l'intersection des deux, c'est-à-dire pour qu'un pays soit là-dedans, il faut à la fois qu'il soit asiatique et qu'il ait une population de plus de 50 millions, donc qu'il soit en vert et en rouge. Alors les pays vert et rouge, ben, vous avez celui-ci et plus aucun autre, puisque là il y a le vert mais il n'y a pas le rouge, là il y a le rouge mais il n'y a pas le vert, donc en fait c'est les pays qui ont les deux critères en même temps, donc il y en a 2 sur 15, et 2 sur 15, ça fait approximativement 0,133. On passe à A union B, alors attention là c'est union, union ça veut dire A ou B, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les pays qui sont dans A et tous les pays qui sont dans B. Donc en gros ici vu la légende, on va prendre tous les pays qui sont rouges et tous les pays qui sont bleus. Donc rouge ou bleu, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 sur 15, ça fait 0,4. Donc on retiendra que intersection c'est l'un et l'autre en même temps et l'union c'est l'un ou l'autre. On va passer à la question 3. Alors, question 3, ça se corse un petit peu, mais en fait, cette question reste abordable. Hein. P de A bar. A bar, c'est le contraire de A. Donc, si A, ce sont les pays asiatiques, les pays rouges, ben, A bar, ce sont les pays qui ne le sont pas, donc les pays qui ne sont pas rouges. Puisque j'en ai 3 qui sont rouges, ben, ceux qui ne sont pas rouges, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On aurait pu le trouver en disant qu'il y en a 15. 3 qui sont rouges, ça fait 12 qui ne sont pas rouges. Donc, ça fait 12 divisé par 15, ce qui fait 0,8. On avait vu aussi en cours une formule qui dit que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc on aurait pu poser que c'était 1 moins 0,2, puisque P de A, on avait calculé précédemment que c'était 0,2, ce qui faisait 0,8, ce qui confirme en fait le calcul que nous venons d'effectuer ici. Mais on pouvait parfaitement faire par dénombrement comme on a fait en classe. On passe à ces deux-là, où que j'ai refusé de corriger en classe, mais je vais les corriger maintenant, ne vous inquiétez pas. Donc A bar inter C. Alors d'abord, c'est un inter. Donc ça veut dire que c'est l'un et l'autre. Donc pour qu'un pays soit là-dedans, il faut qu'il soit dans A bar, donc dans ceux qu'on vient des 12 qu'on vient de compter ici, et en même temps qu'il soit dans C, c'est-à-dire qu'il soit vert. Donc en gros, il faut qu'il soit pas rouge, et en même temps qu'il soit vert. Donc on prend tous les verts, et on regarde ceux qui sont pas rouges. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 sur 15. Ce qui fait approximativement 0,266. Enfin 267. C'est approximatif. Voilà, 4 sur 15, c'est A bar inter C. Donc on doit considérer A bar tous les pays qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas rouges, et on prend dans cette liste, on ne prend que ceux qui sont en vert, c'est-à-dire ceux dont le nombre d'habitants dépasse 50 millions. Donc les verts qui ne sont pas rouges, ben, il y en a 4. On arrive à
A barre union C, je rappelle que là c'est union, donc là c'est l'un ou l'autre, donc en fait on doit prendre tous les A barres, c'est-à-dire les 12 qu'on a comptés ici, et on doit rajouter tous les C. Les C, ce sont les verts. Et là, c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc en fait, on doit prendre tous ceux qui sont pas rouges et tous les verts, même s'ils sont rouges. Donc en fait, ça revient à considérer 14 pays sur 15, ce qui fait approximativement 0,933. On arrive à la dernière question de cet exercice. On dessine, pardon, par D l'événement, le nombre d'habitants dépasse 5 millions. Alors on pourrait peut-être, par exemple, mettre une petite croix noire dessus. Donc, dépasse 5 millions, ben ici, on a la Chine. Bon, là, ça ne dépasse pas. Là, les États-Unis. Et après, bon, c'est tout, puisque ça ne dépasse pas 5 millions. Donc, en fait, on demandait de calculer P de B inter D. Donc, c'est bien inter. Donc, en fait, ici, il faut B, c'est-à-dire africain, pays bleu, et D, les pays qui ont la croix. Donc il faudrait un pays qui en même temps ait la croix et soit bleu. Il n'y en a pas, donc ça fait 0. La probabilité est égale à 0. Quand deux événements ont une intersection vide, autrement dit quand la probabilité de leur intersection est nulle, on peut dire de ces événements qu'ils sont disjoints. Donc ils sont disjoints. Et la justification, c'est le calcul que nous avons fait juste avant. Voilà, cet exercice est terminé, on va pouvoir passer à l'exercice 2. Donc à l'exercice 2, bon, l'énoncé, vous l'avez vu en classe, hein, c'est dans le tableau ci-dessous, on a regroupé les informations partielles sur la répartition des élèves d'une école de musique en fonction de l'instrument pratiqué. Donc certains élèves pratiquent le piano, d'autres le violon, la guitare, j'ai mis une lettre à chaque fois pour éviter un long listing d'événements, et I si l'élève pratique en individuel et C s'il pratique en collectif. Alors le remplissage du tableau, bon, est très simple, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus, donc on va le reprendre, il y avait 17 élèves ici, 41 moins 24. Ici, ben, il y en avait 8 pour arriver à faire 19. Et ici, ben, on totalisait les deux éléments qui sont là. Ça faisait 60 ici, 60 ici, 60 là aussi. Et total, 120. Bon, je ne m'étale pas trop dessus. Je pense que ça n'avait posé de problème à personne. On arrive à la question 2. Donc la première question, c'était le remplissage du tableau. Donc question 2, on choisit un élève au hasard. Il fallait calculer P de C. Alors P de C, c'est la probabilité que l'élève pratique en cours collectif. Donc pratique en cours collectif, en fait, on en a 60 sur un total de 120. Alors j'ai dit plusieurs fois en cours que dans la mesure où il n'y avait pas des probabilités des sachants, c'est-à-dire la petite lettre ici, hein, le total était toujours le total du tableau. Donc ici, donc, doit toujours diviser par 120. Donc on peut déjà prévoir qu'ici, il va falloir diviser par 120 partout. Alors pour P de C, ben, il faut compter le nombre d'élèves qui pratiquent en cours collectif. Donc en fait, il y en a 60. Ben, 60 sur 120, bon, c'est pas un scoop, ça fait 0,5. P de V, probabilité que l'élève pratique le violon, ben, il y a 19 élèves qui pratiquent le violon, dont 19 sur 120, bon, peu importe le résultat, je vous laisse effectuer l'opération. Probabilité de G bar, je rappelle que G bar c'est le contraire de G. Donc s'il y a 60 élèves qui font la guitare, ben, ceux qui ne font pas la guitare, c'est eux, ces deux-là. Piano et violon, si on les ajoute là ensemble, ça fait 60. Donc on peut faire 60 sur 120. Remarquez qu'on aurait pu dire, ben, s'il y en a 60 qui font de la guitare sur 120, il en reste 60 qui n'en font pas, donc 60 sur 120. Là aussi, ça fait 0,5. Ensuite, on demandait de calculer V inter C. Alors, V inter C, c'est ceux qui font du violon et en même temps ceux qui font en cours collectif. Donc, violon en cours collectif, ce sont ceux-là, les 11 qui sont là. Donc, ça fait 11 sur 120. On termine avec G union I. Donc, ici, c'est une union. Ce n'est pas une intersection. C'est-à-dire qu'on doit réunir G, c'est-à-dire tous ceux qui font de la guitare, c'est-à-dire tous ceux-là. Et on doit mettre aussi ceux qui pratiquent en cours individuel, quel que soit l'instrument pratiqué. Donc en fait, ça revient à regrouper ces quatre cases. Donc ça va faire 24 plus 8 plus 28 plus 32, tout ça divisé par 120, ce qui fait 92 sur 120, soit approximativement 0,767. Voilà pour cette question 2 et les premiers calculs de probabilité. Donc là, on est à question 2, petit b, calculer la probabilité que l'élève pratique le piano en cours collectif. Donc, piano en cours collectif, c'est une intersection. C'est à la fois P, l'élève pratique le piano, en cours collectif, C. Donc en fait, c'est P inter C. P inter C, piano en cours collectif, ce sont les 17 qui sont là. Donc ça, c'est la probabilité P de P inter C. Et en fait, comme il n'y a pas la petite lettre ici, eh bien, le total est 120. Donc en fait, c'est 17 sur 120. Bon, je vous laisse effectuer la division. Vous n'avez pas besoin de moi. On arrive à la question 3, calculer la probabilité que l'élève pratique en cours individuel, c'est-à-dire I, sachant, c'est le mot important, qu'il a choisi la guitare. Autrement dit, c'est I sachant G. Donc ceci se noterait P de I, probabilité qu'il pratique en cours individuel, sachant G. Alors le fait qu'il y ait le sachant veut dire que le total va changer, ce n'est plus sur 120,
ça va être sur le nombre de personnes qui font la guitare, c'est-à-dire sur 60. Et donc ça veut dire qu'on ne considère plus, je vais changer de couleur pour bien que vous le voyez, on ne considère plus que cette colonne et plus le reste du tableau. Donc on ne peut plus travailler que sur ces nombres-là parce qu'en fait ici vous avez ça changé. Donc on a éliminé le reste du tableau, on focalise notre attention sur ceux qui ont choisi la guitare. Et là-dedans, on prend ceux qui pratiquent en cours individuel, c'est-à-dire 28. Donc la réponse, c'est 28 sur 60. Bon, je vous laisse effectuer la division, ça fait 28 sur 60. On arrive à la question 4, il faut décrire avec des mots cette probabilité, puis la calculer. Donc pour lire cette probabilité, c'est assez simple. En fait, dans un premier temps, il faut la lire sans tenir compte de la petite lettre. Donc si on devait lire P de V, ce serait évidemment la probabilité que l'élève fasse du violon. Et ensuite, on rajoute la petite lettre. Donc C, c'est sachant C. Et C, c'est collectif. Donc c'est sachant que c'est un cours collectif. Pour calculer cette probabilité, la lettre C veut dire qu'on doit focaliser, sachant que c'est un cours collectif, on focalise notre attention sur ceux qui pratiquent un cours collectif. Autrement dit, on ne voit plus que cette ligne-là, que je vais mettre en évidence. Et donc on ne peut plus prendre que des nombres qui sont sur cette ligne-là. Donc le total du coup c'est 60, donc P de V sachant C. Bon, on divise par 60 et il faut prendre ceux qui feront le violon, c'est-à-dire les 11 qui sont ici. Donc ça fait 11 sur 60. Là aussi je vous laisse calculer, c'est pas la chose la plus importante. On arrive à la question 5 et dernière question de cet exercice. Décrire avec des mots la probabilité suivante, puis calculer cette probabilité. Donc vous aurez remarqué que c'est la même qu'à la question 4 mais à l'envers. En fait ici... Pour le lire, il faut d'abord ne pas tenir compte de la petite lettre. Donc P de C, c'est la probabilité que l'élève pratique en cours collectif. Et ensuite, on rajoute la petite lettre V, donc sachant que c'est du violon, sachant qu'il fait du violon, qu'il pratique le violon. Pour calculer cette probabilité, donc sachant qu'il pratique le violon, c'est-à-dire qu'on doit focaliser notre attention sur la colonne du violon et pas sur le reste du tableau. Donc pareil, je vais la matérialiser pour que vous la voyez précisément. Voilà, donc on travaille avec uniquement cette colonne bleue et on ne voit plus le reste du tableau. Donc ça veut dire que ici on va prendre ceux qui pratiquent en cours collectif, donc les 11 qui sont là. Mais là le total c'est 19, le total de la colonne. Donc P de C sachant V. C'est 11 divisé par 19. Là aussi, je vous laisse le soin d'effectuer la division. Voilà, l'exercice est terminé. On va pouvoir passer à l'exercice 3. Alors, ce qui faisait toute la particularité de cet exercice 3, c'est le remplissage du tableau, parce que là, on est sur quelque chose qui est plus difficile qu'à l'exercice précédent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a deux exercices. Donc, on commence avec l'énoncé. Une forêt composée de 3000 arbres. Donc, ça donne le total général. 40% de chênes, 35% de hêtres, et le reste d'ormes. Donc déjà, on va pouvoir reporter ici les totaux des arbres, sachant que s'il y a 40% de chênes, 40% de ça. Donc ce qui fait 3000 x 40 divisé par 100, et ça fait 1200. Donc il y a 1200 chênes. Pour les hêtres, c'est 3000, c'est 35% de 3000, dont 3000 x 35 divisé par 100. Ce qui fait 1050. Pour les ormes, vous avez deux possibilités, soit vous faites 3000 moins 1200 moins 1050, ce qui donne 750. Soit vous dites que s'il y a 40% de chênes, 35% d'ormes, ça laisse 100% moins 40% moins 35%, ça laisse 25% d'ormes. Et vous pouvez faire 3000 fois 25 divisé par 100, on obtient 750. Voilà pour le calcul des totaux. Maintenant, il va falloir utiliser les informations qui sont ici. 2 chênes sur 10 sont envahis par les chenilles. Alors 2 chênes sur 10, certains m'ont dit en cours, ça fait 20%. On peut le voir aussi comme ça. On peut se dire aussi, 2 sur 10 est une fraction, donc on peut se dire, il y a 1200 chênes, donc c'est 1200 fois 2 sur 10. Ce qui fait 240. Donc 240 sont envahis par les chenilles. Donc l'autre façon de le considérer, enfin la raison profonde de ça, c'est qu'en fait dire qu'il y en a 2 sur 10, ça veut dire que s'il y en avait 10, il y en aurait 2 qui seraient envahis, nous en avons 1200, combien ça fait? En fait, produit en croix, ça fait 2 fois 1200 sur 10, ce qui fait évidemment le même résultat, c'est-à-dire 240. En fait, on retrouve bien 1200 fois 2 sur 10, c'est-à-dire ce qu'on a posé. Évidemment, si on fait 20%, ça fait le même résultat.
Passons au être. 10 êtres sur 100, ben c'est 10%, donc là c'est beaucoup plus classique comme résultat. Il y a 1050 êtres, donc 1050 fois 10 divisé par 100, ce qui fait 105. Donc 105 ici. Et pour les ormes, 8%, ben c'est pareil, c'est 750 fois 8 divisé par 100, ce qui fait 60. Le reste du tableau ne présente aucune difficulté. 1200 moins 240, ça fait 960. 1050 moins 105, ça fait 945. 750 moins 60, ça fait 690. Et là, on totalise. Donc là, on en a 405. Et ici, 960 plus 945 plus 690, ça fait 2595. Et on peut vérifier que le total des deux fait bien 3000. Le tableau est bouclé. On passe à la question 2, un certain nombre de calculs de probabilité étaient demandés. Probabilité simple, vous voyez qu'il n'y a pas de sachant, donc ça veut dire que le total va systématiquement être 3000. On commence avec P2, probabilité donc que l'arbre soit envahi, donc le total des arbres envahis c'est 405, donc en fait ça va faire 405 divisé par 3000. Bon là aussi j'effectuerai pas la division, je vous laisse effectuer la division. P2H, probabilité que l'arbre soit un être, envahi ou pas, il y en a 1050, donc là c'est 1050 divisé par 3000. E, inter H. Alors, inter, ça c'est bien inter, le symbole est dans ce sens-là. E, c'est envahi, et H, c'est les êtres. Donc, il faut ceux qui sont envahis et en même temps sont des êtres. Envahis sont là, êtres sont là, l'intersection, c'est les 105 qui sont là. Et comme il n'y a pas de sachant, le total, c'est 3000. E bar inter O, E bar, c'est pas envahi, donc en fait, ce sont ceux-là. Et O, c'est les ormes. Donc en fait, comme c'est une intersection, il faut que ce soit à l'intersection de cette ligne, les pas envahis, et de la colonne ormes. Autrement dit, ce sont les 690 qui sont là. Donc 690 sur 3000. Et le dernier, E union C. Alors là, c'est une union. Donc l'union, ça veut dire qu'il faut réunir les E, c'est-à-dire tous les envahis, tout cela. Je vais les encadrer, comme ça vous allez les voir. Je vais changer de couleur, comme ça vous verrez mieux. On va mettre en jaune. Donc je vais encadrer ceux qui sont E, c'est-à-dire ceux qui sont envahis. Donc ces trois cases-là. Et C, c'est ceux qui sont des chaînes. Donc il faut regrouper en fait tout ça. Ces quatre cases qui sont entourées en vert jaune. Donc ici ça va donner. Je vais reprendre ma couleur d'origine. Ça va donner 240 plus 105 plus 60. Plus 960, les 4 cases qui sont entourées ici, et tout ça divisé par 3000. Bon, je vous laisserai terminer le calcul. On arrive à la question 3, il s'agit de calculer de deux manières différentes E union H, la réunion des deux événements. Donc on peut le faire d'une manière simple, c'est-à-dire en faisant un dénombrement dans le tableau. Donc on va d'abord identifier tous ceux qui sont dans E. Donc en fait, ce sont tous ceux qui sont envahis, donc je les entoure. Et on va réunir ça avec tous ceux qui sont dans H, c'est-à-dire tous ceux qui sont des êtres. Donc il faut réunir. Donc en fait, il faut mettre ensemble les 4 cases qui sont là. Donc on va calculer ce que ça fait. Donc ça fait 240 plus 105 plus 60 plus 945. Et tout ça divisé par 3000. Ça fait 0,45. Alors pour la deuxième manière, on peut utiliser la formule du cours. Je vais la mettre en bleu pour que vous la voyez bien. La formule du cours, c'est P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, si je transpose ici avec les événements E et H, ça va donner P de E union H égale P de E, puisque E a pris la place de A dans la formule, plus P de H, puisque H a pris la place de B dans la formule, moins P de E inter H. Et là, en fait, les probabilités des trois événements, P de E, P de H et P de E inter H, ont été calculées précédemment. Donc ici, en appliquant la formule, pour trouver P de E union H, on peut prendre P de E, donc P de E c'est 0,135, c'est ici. On peut rajouter P de H, donc plus P de H, qui fait 0,35, et on enlève P de E inter H, c'est-à-dire 0,035. Et si on fait ça, on trouve à nouveau 0,45, d'où le fait de demander de calculer de deux manières différentes.
L'exercice se terminait avec trois questions sur les probabilités conditionnelles. Donc, première question, calculer la probabilité qu'un arbre soit envahi de chenilles, sachant que c'est un norme. Donc en fait, ça correspond à la probabilité qu'il soit envahi de chenilles, c'est-à-dire P de E, sachant que c'est un orme, donc sachant O. Alors puisqu'on dit sachant O, ça veut dire qu'on ne voit que les ormes. Donc je vais mettre en évidence. Donc en fait, on ne s'intéresse qu'à cette colonne. Et donc, on prend dans cette colonne ceux qui correspondent à E, c'est-à-dire les ormes envahis, c'est-à-dire 60. Donc on en a 60. Donc on en a 60 sur 750, ce qui fait 0,08. Question suivante, il s'agit de calculer P de E sachant H, donc on focalise sur H, donc je vais les matérialiser en vert, donc il faut focaliser sur cette colonne-là, et dans cette colonne, on va s'intéresser à E, c'est-à-dire aux arbres qui sont envahis. Donc autrement dit, on va avoir 105 sur 1050, ce qui fait 0,1. Dernière question, P de O sachant E, donc puisqu'on fait, on fait sachant E, ça veut dire qu'on doit focaliser sur la ligne de DE, c'est-à-dire sur cette partie-là du tableau, uniquement. Le total c'est 405, on cherche parmi eux ceux qui sont O, donc O parmi ceux qui sont envahis c'est 60. Donc en fait c'est 60 sur 405, ce qui fait 0,148. Voilà, cet exercice est terminé, ainsi que cette correction en vidéo qui, j'espère, vous aidera pour cette évaluation.